YouTube, bonjour, comment ça va? Nouvelle vidéo d'Okan, les amis, en ce samedi matin, ça y est. Vidéo Invocation Revanche sur Gogeta LR Carnaval, parce que on a mis 350 DS. D'ailleurs, je te mets le lien dans le bouton en haut à droite. Et ça a été compliqué, hein, 300 DS sur ce portail pour dropper globalement. Bon, on a eu Trunks qu'on n'avait pas. Mais voilà, on a quand même mis 300 DS et il n'est pas tombé. Donc, là, hein, en gros, les stats, c'est quoi? C'est sur un portail à 10 cartes avec une multi gratuite. Normalement, en 750 DS, hein, t'es censé avoir 10 unités du détecteur. Parce que 750 DS, c'est l'équivalent de 5 cycles. 5 x 4, 20, parce que 4 multi. 20 multi est égal à 10 détecteurs. Ah oui, c'est comme ça, dit comme ça, t'as l'impression que c'est des statistiques gros doigts, t'as raison. Mais normalement, 750 DS, c'est le palier pour avoir la nouvelle unité. Donc là, j'en ai mis 300. Je vais en mettre 350 là, là. Et s'il ne tombe pas, ça sera le début du shaft. Mais on ne va pas arriver jusque-là. Non, on va pas arriver jusque-là. Il va tomber bien avant. Parce que je mérite. Hein, j'ai longuement stacké mes DS sur la version japonaise. Donc on aimerait qu'il tombe. Voilà, donc on va y aller. Je souhaite pas bonne chance. Comme d'hab, n'hésite pas, pouce bleu, la cloche, tout ça tu connais. Si toi aussi t'aimes invoquer le samedi matin, comme moi, parce que bah, c'est good vibes, tu vois. Le week-end, t'es content. Tu as passé une bonne journée. Il fait beau, tout ça, tout ça. Donc on espère qu'il tombe. Allez, c'est parti, Gogeta, frérot. On compte sur toi. Ne nous lâche pas. Attends. On va faire une single. On va faire une petite single. S'il tombe, on sait jamais, tu vois. Non, ok, pas de... Non, ok, bon, la single, ça sera pas pour aujourd'hui. Bon, on a dit 750 DS au total. J'en ai mis 300, donc 350. Il devrait donc m'en rester 250. On y va? Allez, c'est parti! Allez, Bandai! Putain, j'ai vu Beerus tout seul. C'est pareil, c'est toujours pareil, ça. Tu vois Beerus tout seul, tu t'enjailles, et après, t'as les Mishito qui arrivent. Alors, j'entends pas de Walida, j'entends un Kamehameha. C'est pas bon signe. Mais il faut y croire. Il faut y croire. Alors, ce portail, hein, c'est un portail carnaval, donc... Bon, il y a quand même 4 LR carnaval, c'est cool, mais... On aurait préféré invoquer sur le portail de Canfest. Là, typiquement, sur le portail de Broly, on prend l'exemple de Couleur Puits, tu vois. Couleur Puits, j'ai pas de doublon. Et Couleur Puits, quand il essaie de faire la mission extrême de la Blue Zone, Couleur Puits étant à ce jour l'une des meilleures unités extrêmes, hein, tu te rends compte à quel point on en est, hein, ce monotype est tellement flingué en extrême puits. Et Couleur a pris de l'âge, bah sans doublon, la mission c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Je vois des gens réussir avec des couleurs rainbow, tout ça. Ouais, mais des gens comme moi, tu vois, qui l'ont pas doublonné, on fait comment? Parce que là, je suis en train de me dire, est-ce que je pars plutôt avec le couleur puits de Canfest, en fait? Pour lequel j'ai un doublon, Walida. Voilà! Voilà pourquoi je m'invoquais le week-end! Ah, ça fait plaisir! Ah, ça fait plaisir! Ça fait plaisir, mais du coup, est-ce que je continue le cycle? Ah, je crois que je vais devoir continuer le cycle, les gars. Je crois que je vais devoir continuer le cycle parce que... Ah là là, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais bienvenue à toi, mon pote. Bienvenue à toi. En vrai, cette première partie, c'est plutôt bien passé parce que... comment il s'appelle? Broly, j'ai dû mettre... j'ai dû faire... 350 DS? Elle a Gogeta qui tombe. Bon, j'ai mis un peu plus de 450 DS, du coup, sur Gogeta. Un peu moins. Donc la partie 2 se passe bien, hein. Gohan Beast. Oh putain, j'ai cru à un switch. Oh, c'est plaisir. Bon, je l'ai pas à 100%, il est nul. Il est nul. Certes, il est nul. Mais je prends quand même. Je prends. Écoute, Gogeta, bienvenue à toi. On va pouvoir commencer à faire l'émission. J'ai vu qu'il y a des missions temps limité, tout ça, tout ça. Allez, la dernière multi de la vidéo. Une petite faille, un doublon. Non, tu veux pas? Non, ok. Non. Bon, c'est pas grave. C'est cadeau. Il nous restera une multi gratuite. Ah, ça fait plaisir, ça, le samedi matin. Ah, on va passer un bon week-end, là. Alors, on va passer un bon week-end. Après, il reste une multi gratuite, les gars, on sait jamais, hein. Un petit doublon sur Trunks, par exemple. Migadé, j'ai qu'un doublon. Très, très bon ZLR. Ah, Migadé, tu me donnes un doublon... un petit doublon supplémentaire. Bon, je prends, hein. Et n'empêche, c'est fou parce que j'ai droppé tout le détecteur sauf Migadé, du coup.
Et d'ailleurs, sur ce portail, vous avez les unités hors détecteur qui vont passer ZTUR. En partie une toujours, mais en seconde partie de partie une, t'as compris, c'est à partir de lundi. Et c'est plaisir. C'est plaisir, si vous les avez pas, c'est l'occasion. Bon, là-dedans, bon, deux doublons, pas de doublons. Un doublon, trois doublons. Ok, donc Migaté en vrai, Migaté ça m'intéresse. Un deuxième doublon sur Trunks, pourquoi pas. Et un doublon sur Migaté, voilà. C'est quand même pas mal. Ou un doublon sur Gogeta, on sait jamais, tu vois. Un doublon sur Gogeta... C'est plaisir. Vegeta, s'il te plaît, fusionne. Fusionne, mon pote. Non. Non, il veut pas finir. Ok. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, je ne t'en veux pas. Tu peux rester chez toi. On a eu notre objectif. Atteint, sécurisé. Et ça fait plaisir. On a eu deux LR. Et le seul du détecteur, c'est Gogeta. Ah, j'aime quand les taux sont comme ça. J'aime quand les taux sont comme ça. D'ailleurs, sur ce compte... Enfin, sur ce compte. Oui, c'est ça. Pendant cet anniversaire... Oula. Pendant cet anniversaire, comment te dire? J'ai encore plein de choses à faire. Je n'ai pas encore touché au Battlefield. Ok, il y a 50 DS à se faire ici. Enfin, on va dire 40 DS, quoi. J'ai pas encore fait les missions Red Zone. J'ai vu qu'il y avait des Red Zone à faire à gauche, à droite. On va remonter à 700 DS, là, tranquille. Bon, j'ai besoin un peu, peut-être pas 700 DS, mais... ça, j'ai fait juste le dernier niveau en mode avec la team de Bay Rose pour voir si ça passait. Ici, on a fait Hit. J'ai vu qu'il y avait les niveaux Red Zone ici avec les missions. Ouais, des DS à gauche, à droite à récupérer. 5 DS, 15 DS ici. Ouais, non, franchement... On va récupérer 150 DS là, ce qu'on aura mis là dans cette invocation. Bah écoutez, ça fait plaisir. Pour un samedi matin, on est content. On est content maintenant. Bah on attend sagement la partie 2. Je pense qu'on aura... On peut atteindre les 1000 DS pour la partie 2 parce qu'il y a encore beaucoup de DS à farmer. Donc voilà, on espère que tout ça arrive rapidement. Et puis voilà, rendez-vous le 16 février, je crois, pour les unités, la sortie des unités en P2. Évidemment, avant hein, le 10... Il y aura le stream reveal sur le YouTube, donc on sera ensemble, comme d'habitude vous connaissez, pour vivre l'événement Dokkan. Comment ça s'appelle? C'est pas un Dokkan ou... Enfin bref, le stream reveal. Des bisous, passez un très beau week-end. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez invoqué, si vous avez droppé les deux, si vous avez été chanceux. Et voilà, bah, comme d'hab, hein, préparez-vous pour la P2. D'ici deux semaines, passez un très beau week-end. À très bientôt, salut, ciao!